Yahweh fongola lola babeli babika ye. Yahweh fongola lola basali basonguya. Yahweh fongola lola makambwe bomana ye. Yahweh fongola lola ye. Beta maboko wana makasi na ngambo wa banguna na yo ezoko mwana bakake. Lobite lelo ye Yahweh. Jésus Christ, le bon berger. Jesus Christ, the good shepherd. Nous sommes déjà à la deuxième partie. We're already on the second part. C'est le chapitre 1 de notre livre, Jésus, le champion des champions. It's the first chapter from our book of Jesus, champion of all champions. Amen, amen. Amen. Nous avons tiré ce chapitre dans Jean, chapitre Jean, verset 10. We took this chapter from John, verse. John chapter 10. Yes. Yeah. Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Mais moi, je suis venu afin qu'elle ait la vie et qu'elle l'ait en abondance. The thief comes not but to steal and to kill and to destroy. I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Nous fermons nos yeux et nous prions. Let's close our eyes and pray. Éternel notre Dieu, merci. Puisque tu es au milieu de nous. Merci puisque c'est un moment propice où chacun de nous est prêt pour t'écouter à travers ta parole. Enlève la fatigue. Enlève le sommeil au lieu de ton peuple. Que le Saint-Esprit seul puisse parler dans leur cœur. Nous chassons tous ceux qui ne te confessent pas et nous te déclarons Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Là, les enfants doivent garder silence. Vous devez contrôler les enfants puisque tout ce que les enfants font entre dans notre enseignement. Amen. Et ça devant ceux qui écoutent. Soyons sévères. Bien-aimés, nous continuons avec ce que nous avons commencé la fois passée. My beloved, we carry on with what we started last week. La deuxième partie nous dit ceci, nous commençons. The second part says this. Tu ne peux rien recevoir de la parole du Seigneur s'il n'y a pas l'onction du Saint-Esprit. You cannot receive anything from the Word of God if you do not have the Holy Spirit. Il y a les portiers et il y a les bons bergers. There's the porter and there's a good shepherd. Le porter c'est celui qui garde la porte. The porter is the one that takes care of the door. Et le bon berger c'est celui qui nous conduit. And the good shepherd is the one that leads us. C'est lui-même qui nous ouvre le porte éternel. It's the one that opens the eternal doors for us. C'est pour ça qu'il y a la différence entre le portier et le bon berger. That's why there's a difference between the porter and the good shepherd. Le berger c'est la parole. The shepherd is the word. Mais il y a un portier pour ouvrir et c'est lui qui nous ouvre la parole. Open and the one that opens the door for us, the one that opens the word for us is the Holy Spirit. L'homme ou la femme qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas écouter la parole de Dieu. The man or woman who doesn't have the Holy Spirit cannot hear the word of God. Ça va passer dans l'air. They will just go in there. Il ne va rien comprendre. They will not understand anything. Mais le Saint-Esprit nous est donné pour glorifier le Seigneur. But the Holy Spirit has been given us to glorify the Lord. Pour nous conduire dans toute la vérité. To conduct us in all truth. Et nous rappeler toutes les paroles de Jésus. Jésus est le consolateur. Jésus a dit, Jesus says, je vous enverrai un autre consolateur. I will send you another counselor. Lui est le consolateur. He is the counselor. Il est le fils du Père de consolation. He is the child, he is the son of the Father of consolation. Et il a dit, and he said, quand je serai parti, when I will be gone, moi le consolateur, myself the counselor, je vous enverrai un autre consolateur. I shall send you another counselor. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. He shall remind you of everything that I've told you. Il vous conduira dans toute la vérité. And he shall lead you in all truth. Jésus est la vérité. Jesus is the truth. Le consolateur, c'est celui qui nous conduit dans toute la vérité. The counselor is the one that leads us in all truth. La vérité, c'est la vie abondante de la parole du Seigneur. The truth is abundant life in the word of the Lord. C'est pour ça qu'il a dit,
That's what he said. Que moi je suis venu afin qu'elle ait la vie et qu'elle ait en abondance. So he said that I came so that you can have life and you can have it abundantly. La vérité Jésus. The truth Jesus. C'est la vie abondante de la parole du Seigneur. Is an abundant life in the word of God, Lord. De toutes les richesses que Dieu réserve à ses brebis. Of all richness that God reserves for his breeds. Alors nous ne devons pas être de brebis, mais être et des charnés. So we shouldn't be the shepherds who are skinny who are skinny and lifeless. Ils mangent pas, supposé qu'ils mangent pas. And who don't eat well. Je vous encourage à croître dans le Seigneur. I encourage you to believe in the Lord. De sa vie et de sa parole. Of his life and his word. Mangez en abondance. Eat abundantly. Cette abondance, cette vie en abondance. This life of abundantly. Va me donner la croissance spirituelle. Will give you the spiritual crusade. Et va me donner tout ce que Jésus a voulu me restituer par son sacrifice à la croix. It will give you everything that Jesus has sacrificed by his death on the cross. Vous croyez que Jésus a payé un si grand prix de sa propre vie et de son sang pour rester loin de nous? Do you think that Jesus has paid such a big price for losing his life and his blood to remain far from us? Nous regarder, nous débattre dans nos problèmes. To just watch us fight our problems. Et nos difficultés dans nos trous, dans nos impasses. And our difficulties in our holes and our impossible stuff. No. Ce n'est pas cela. That isn't so. La vie abondante. Abundant life. Jésus veut nous sortir de tout cela pour nous remplir de son esprit. Jesus wants to lead us out of all of that to fill us with his spirit. Pour nous donner la guérison dont nous avons besoin. To give us the healing that we need. Restaurer tous les organes qui marquent et enlever tous ces culvabas. To restore all of the organs that's missing and remove all the things that shouldn't be there. Alléluia. Et faire descendre du ciel tout ce qu'il a dans ses réserves. Bring from the kingdom of God and all that he has as reserved. Bien aimé, Antoine, je vais vous expliquer le dernier verset ici. Let us enter to expand this last verse. Jésus a encore des réserves de bonnes choses. Jesus has reserved some good things for us. Les bénédictions sont encore là pour nous. The blessings are still there for us. Les guérisons sont encore au service. The healings are still there in service. Jésus est encore au service de miracles. Jesus is still servicing us miracles. Et des guérisons. And healing. Celui qui a Jésus. The one that has Jesus. A la vie. Has life. La Bible déclare celui qui a vu Jésus. The Bible declares that the one that has seen Jesus. A vu son Père. Has seen his Father. Mais Jésus nous amène la vie éternelle. And Jesus brings us eternal life. Jésus nous amène la vie en abondance. Jesus gives us abundant life. Le voleur vient que pour tuer, détruire et corriger. The thief only comes to steal, kill and destroy. Mais Jésus nous amène la vie en abondance. But Jesus brings us life abundantly. Cette vie pour la voir. For it means to see him. Faut accepter Jésus Christ. You have to accept. Puisque en Jésus Christ. Because in Jesus Christ. Il y a encore des réserves de bonnes choses. There's still he has still reserved good stuff. Pour vous. For us. Ne soyez pas jaloux. Don't be jealous. Puisque quelqu'un est béni. Attends ton tour. Wait for your turn. Puisque en réserve de chercher de lui. Because the reserve that Jesus has. Il y a encore tout ce que tu as besoin. Is everything that you need. Il a en réserve beaucoup de choses pour he nous. He has reserved plenty of things for us. Jésus a plein de réserves et d'abondance pour nous. Jesus has plenty of reserve and abundance for us. La vie abondante n'est pas seulement la guérison et la délivrance. The life abundantly is not just healing and deliverance. La vie abondante. C'est aussi la présence de Dieu en nous. It's the presence of God in us. C'est sa sainteté. It's his sanctity. C'est son esprit. It's his spirit. Qui nous remplit d'amour, de joie et de paix. That fills us from love, peace and joy. Nous pouvons ici aller vers notre pire ennemi. We can go towards our enemy. Et avec l'amour du Seigneur. And with the love of the Lord. Jésus, tout c'est possible. Jesus, with our Lord Jesus, everything is possible. S'il ne s'oppose pas. If he's not opposed. Nous avons à nous cette vie abondante. Alléluia. We have in us this life abundantly. Il faut la briser là. Il faut briser là dedans. You have to lean in it. Il faut briser là dedans. You have to lean in it. Il ne faut plus que
Il n'est plus resté lié. He's no longer lié. Non, c'est attaché. He's no longer attached. Alléluia. Jésus est venu ouvrir les portes. Jesus has come to open the doors. Il a cassé des chaînes. He has broken chains. Il a brisé les verrous. He has broken oh, he has broken the chains, yes. Alléluia. Il a ouvert la porte toute grande. He has opened the door widely. Il a apporté la lumière. He has brought the light. Il y a encore beaucoup de personnes qui restent au fond de leur prison. There's still a lot of people that's remaining in the deepness of the jail. Et qui n'en sortent pas. That's still not coming out. Alors que les portes sont ouvertes et que les chaînes sont tombées. Although the doors are open and the chains have broken. Amen. Has already risen. Alléluia. Cela me fait penser à ce qui s'est passé quand le président, quand le président nous mettait dans les esclavagissements. This is making me think of when in times that our presidents used to put us in. Amen. 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 Bien aimé, nous avons vu dans le temps passé qu'il y avait beaucoup de milliers d'esclaves. Beloved, we've seen that in the time that has passed that there was a lot of slavery. Nous avons vu en Amérique. In America, voire même en Allemagne, even to see Germany, voire même au Portugal, Portugal, où on prenait des nègres, des noirs, where they used to take black people, on les mettait en esclavage. They used to put them in slavery. Amen, amen. Amen. Ils étaient devenus comme des esclaves. They became slaves. On les vendait, on les prenait en Afrique, on les vendait en Europe. They came from Africa and they would sell them in Europe. Aujourd'hui, Amérique est faite et fondée. Disons, l'Amérique est fondée. Les gens qui sont pris en Chine, from people that taken from China, en esclavage, bien aimé, ce sont ceux qui ont fondé les États-Unis. Those ones who have founded. Mais moi, je suis venu vous dire aujourd'hui que vous n'êtes plus esclaves. Vous étiez autant, depuis longtemps, esclaves de l'ennemi Satan. C'est l'ennemi Satan qui dirigeait ta vie. Ils sont encore esclaves aujourd'hui. Tu peux être en Europe. Tu peux gagner tout le monde. Mais quelque part tu es esclave. But somewhere you're a slave. Amen, amen. Amen. Quelqu'un qui n'a pas Christ. Someone that doesn't have Christ. Dans sa vie. In their life. Il est esclave. Jésus. Amen. Tu n'es plus esclave de celui qui est venu te dérober, t'égorger, te détruire. Mais Jésus est ton bon berger.
came to steal, to kill, and to destroy. Because Jesus is the good shepherd and he has come to give you life. Il veut que tu aies la vie en abondance. He wants you to have life abundantly. Il veut que ce jour. He wants that today. Parce que il est là au milieu de nous. Because he's here amongst us. Tu sois renouvelé dans sa vie abondante. That you be renewed in his life abundantly. Et que tu sois rempli, guéri et délivré. That you may be filled, healed and delivered. Quel est ton besoin, mon frère, ma soeur? What is your need, my brother, sister? As-tu besoin de quelque chose qui te manque dans ta vie aujourd'hui? Do you need something that is missing in your life today? Jésus est là pour te le donner. Amen. Jesus is there to give that to you. Jésus est là pour te le donner. Jesus is here to give. Nous disons amen. En demandant asking, l'explication claire du Saint-Esprit. By asking the good explanation from the Holy Spirit. Jésus que je connais est Jésus plein de force. Jesus that I know is Jesus with plenty of force. Plein d'amour. A lot of love. Plein de joie. A lot of joy. Plein de la puissance du Saint-Esprit. A lot of the Holy Spirit, filled with the power of the Holy Spirit. Parce qu'il est Dieu. Because he was God. Le Fils éternel. Et nous sommes faits à son image. And we are made in his image. Alléluia. Il veut nous remplir de cette vie-là et pour cela. He wants to fill us with that life, and that's why. Il a besoin que nous croyions sa parole. He needs us to believe in his word. Cette parole que je cite cet après-midi. This word that I'm saying this afternoon. Et c'est cela qui te fait du bien. Is it that makes you feel good? Alléluia. Amen. Quelque chose en toi. Something in you. Et te laisse vivant et non pas froid. He leaves you alive and not cold. C'est la parole de Dieu qui veut te secouer pour te remplir. It's the word of God that wants to shake you, wake you, and to fill you up. Pour faire tomber toutes les choses. To break all the things. Qui sont pas du Seigneur. That is not from the Lord. Et te remplir de la vie abondante. And to fill you with the abundant life. La vie divine de Dieu. The divine life of God. Amen, amen. Amen. C'est la parole de Dieu. It's the word of God. Dans la vie de l'homme. In the life of a man. Qui donne l'homme la vie. That gives the man life. La parole de Dieu dans la vie de l'homme. The word of God in the life of man. Donne la vie à l'homme. Gives life to man. Amen, amen. Amen. L'homme qui n'a pas la parole de Dieu. The man who doesn't have the word of God. Dans sa vie, dans son cœur. Not by la vie. Does not have life. La vie sans la parole de Dieu. Life without the word of God. La parole qui est Dieu. The word is God. La vie sans Jésus. Life without Jesus. Qui est Dieu. That is God. N'est pas une vie. It's not a life. Amen. 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 Nous lisons Jean 10, verset 4. Let's read John 10, verse 4. Amen. C'est le pied de Pénélope. And when he put forth his own sheep, he goes before them, and the sheep follow him, for they know his voice.
Amen, amen. Amen. Jean, verset 10, Jean chapitre 10, verset 4, nous dit ceci. Et quand il a mis dehors toutes ses propres brebis, il va devant elles et les brebis les suivent et elles connaissent sa voix. Amen, amen. Amen. Nous étant les brebis, us being sheep, nous connaissons la voix de notre bon berger. We know the voice of our good shepherd. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, when he brings out all of his marchait devant elles, and he walks in front of them, et les brebis commencent à les suivre, and the sheep follow him, parce qu'elles connaissaient sa voix, because they know his voice. Et ne suivront pas un étranger, they would have followed a stranger, mais ils suivront loin de lui, but they would run away from him. Où en es-tu par rapport à cet étranger, ce voleur? Where are you according to this stranger, this thief? Amen, amen. Amen. Nous connaissons la voix de notre Dieu. We know the voice of our God. Et lui nous connaît. And he knows us. Il nous appelle par nos noms. He calls us by our names. Amen, amen. Amen. Mais qui est ce voleur qui est venu aujourd'hui? And who is this thief that came today? Nous tromper. To lie to us. Car il ne connaît pas nos noms. Because he doesn't know our name. Car nous ne connaissons pas sa voix. And because we don't know his voice. Amen, amen. Amen. Chapitre 4 de Jacques, verset 7. James 4, verse 7. Submit yourself therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Amen. Amen, amen. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira de vous. Si tu lui résistes, le diable fuira. If you resist from the devil, amen, he will flee from you. Amen. Amen. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Resist from the devil and he will flee far from you. Amen, amen. Amen. Quand le diable t'amène, tes zigzags, ses zigzags. When the devil brings you, il faut le fuir. You need to flee from him. Celui qui t'amène de péché, he brings you sin. Fuyez. Et résistez-lui. And resist. Résistez à venir quoi? What does resisting mean? Savoir dire non. Knowing how to say no. À quelqu'un qui t'amène le mal. Someone who brings you back. À quelqu'un qui t'amène de mauvaises choses. Amen. Someone who brings you bad things. Vous devez vous voyer au nom de someone that so you're relaxed. And someone always comes and brings you bad things to do for. Il y a des gens qui ne pas. Go and steal. That means you need to resist the devil. Bible says you need to resist the devil. Il faut savoir dire non. You need to know how to say no. Amen, amen. Amen. Même quelqu'un qui te pousse à faire le péché. Even someone that's pushing you to sin. Ou bien un péché quelqu'un qui t'arrive. Or even a sin that happens to you. Il faut savoir dire non à l'ennemi Satan. You have to know how to say no to the enemy. Il fuira de vous. Yeah, he will flee from you. Amen, amen. Amen. Jean 4, Jean 10, verset 4. Il est dit que ce sont les brebis qui fuiront devant l'étranger. John 10 verse 4 says that it is the sheep who will run away from the strangers. Si tu vois les mal, if you see bad, tu vas t'enfuir. You will run away. Tu ne peux pas t'approcher du mal. You will not approach bad. Si tu vois les mauvaises choses, les mauvaises voies, if you see bad things, que le diable essaie de mettre dans ta vie, that the devil is trying to put into your life, tu vas faire deux choses. You will do two things. Tu vas les faire fuir. Le diable, you're going to flee from the devil. Tu vas t'enfuir devant le mal. And you run away from the bad. Amen, amen. Amen. Qu'il essaye de placer devant ta vie. The bad that he's trying to put in your life. De manière à ce qu'il n'y ait plus aucun contact entre lui et les mauvaises choses qu'il veut te donner. You're going to get away so that there will not be any contact between you and the bad things that he's trying to put in your life. Pour toi. For you. Tu vas plus t'approcher du malheur. You will never approach. Ni des choses qu'il cherche à te donner. Or anything, you never approach him or anything that he's trying to give you. Amen. Amen. Ne t'approche pas de l'ennemi Satan. Do not approach the enemy Satan. Des choses qu'il amène vers toi. Anything that he's bringing to us. Pour te faire tomber dans les péchés. To make you fall in sin. Fuyez. Flee from him. Amen. 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 Même des mauvaises amies. Even bad friends. Fuyez-les. Flee from them. Débarrasse-toi d'eux. Get rid of them. Amen. He
He's calling you just say, oh, my friend, I'm busy. They call you on WhatsApp to say, I'm far in prayer. Celui qui est en position difficile. The one that's in a difficult position. Il
that you are blocked. Et que tu es un capable. And that you are incapable. Et que tu es trop malade pour t'en sortir. And that you are too sick to help yourself. Amen, amen. Amen. You see someone who's sick. Le législateur vient dire, oh non, vraiment, tu vas mourir. And if he says and comes to tell them that, oh really, you see this illness that you have, you will not heal. Amen, amen. Amen. Puisque Satan sait très bien que celui qui vient en Christ. Because Satan knows exactly well that whoever comes in Christ, being sick, Christ va les guérir. Christ will heal them. Alors viens maintenant pour te bloquer les chemins. So they come to block your ways. Ils viennent révéler la vérité devant toi. They come to remove the truth from you. Pour te décourager. To discourage you. That you only have 6 months de vivre. Of life. Et toi qui écoutes, and you listen. C'est là to that. Qui attend que l'amour puisse t'atteindre dans 6 months. And then you're just there sitting and waiting for death to come and get you in 6 months. Tu es malade. You're sick. C'est ça qui dit à tous ceux qui sont malades. And I say to all those people who are ill. D'aller vers Christ. To go towards Christ. D'aller vers Jésus. To go towards Jesus. De ne pas rester dans les maisons. Do not stay in the house. Puisque le docteur m'a dit. Because the doctor has said. Amen, amen. Amen. Christ, Christ a payé. Has paid. A payé. Has paid. Il s'est offert sur la croix. He has offered himself on the cross. Pour nous. For us. Il a payé nos maladies. He has paid for our nos difficultés. Our difficulties. Sur la croix. On the cross. Nous devons vivre la vie de Christ. We have to live the life of Christ. Et c'est dit que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. It's no longer I who lives, but it's Christ who lives. Si tu crois réellement en Jésus. Your eyes will one day see this good shepherd that is leading you. Et dans Jean 10, verset 6, and in John 10, verse 6, Jésus a dit cette parabole. Jesus told them these words. Mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. But they did not understand what he was talking about. Combien de chrétiens en sont là? How many Christians are there? Ils ont la parole, la grande parole ouverte, et ils ne comprennent pas où, en tout cas, ils font. A lot of them have the word that is open, but they do not understand, and they do as if they have not heard. Amen, amen. Amen. Quand Jésus, ce bon berger, a parlé, when Jesus, this good shepherd, has spoken, le Saint-Esprit me fait comprendre que c'est sa parole. The Holy Spirit makes me understand that it's his word. Je sais que la parole est la vérité. I know that the word is the truth. Je n'ai aucune excuse de ne pas la comprendre. I don't have an excuse to not understand it. Nous sommes la meilleure position que ses disciples à cette époque. We are in a better position than the disciples in that. Soyons des disciples de Christ. Let's be the disciples of the Lord. Obéissons à la parole de Dieu. Let's obey the word of God. Christ en nous. Christ in us. L'espérance de la gloire. Amen. Is the hope of glory. Amen. No, no, it's somebody else. Il n'avait pas la Pentecôte. They don't have the Pentecôte. Ni le Saint-Esprit en eux. Nor did they have the Holy Spirit in them. Qui remplissait le cœur. Ils avaient peut-être des excuses. They had some excuses. Disciples à cette époque-là. That's the disciples in that. Mais nous. But us. Mes frères, mes sœurs. My brother and sister. Lève-nous. Let us stand. J'ai dit comme une exhortation.
and not like I'm telling you off. Parce que Dieu est puissant. Because God is powerful. Pour rendre sa vie vivante dans nos vies. To give us his life in our life. Amen, amen. Amen. Jean 10, verset 7. John 10, verse 7. En vérité, je vous l'ai dit. Verily, verily, I say unto you. Je suis la porte des brebis. I am the door of the sheep. Tous ceux qui sont venus, qui sont venus avant moi, sont des voleurs. All that ever came before me are thieves. Et des brigands. And robbers. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. But the sheep did not hear them. Amen, amen. Amen. Tous ceux qui sont venus avant Jésus. All that came before Jesus. Étaient des voleurs. Were all thieves. Les brebis ne les ont pas écoutés. But the sheep did not listen. Mais quand Jésus est venu. But when Jesus came, il est venu nous amener la vie en abondance. He came to give us life abundantly. Jésus nous connaît. Jesus knows us. Amen, amen. Amen. Et nous le connaissons. And we know him too. C'est pour ça que nous le servons. That's why we serve him. Nous servons l'Éternel. We serve the Lord. Puisque nous le connaissons. And we know him. Il est venu dans nos cœurs. He came in our heart. Il a changé notre vie. He has changed our life. C'est pour cela que nous avons la force et le courage. Pourtant, il n'avait pas toute la révélation que nous avons maintenant. Although they didn't even have all the revelations that we have right now. Nous avons la chance d'avoir des Bibles. We have the chance of having the Bible. Mais dans l'ancien temps. But in the ancient time. Ils se servaient du papyrus. They just used to use papyrus, parchemin. They just used to use papers. Amen, amen. Amen. Des rouleaux. That they used to just fold. Amen, amen. Amen. Mais nous avons la parole de Dieu. But we have the word of God. Nous sommes avantagés. We are so advantageous. Par rapport à celle qui était avant Jésus-Christ. Compared to those ones who came before Jesus. Amen, amen. Amen. Nous sommes des brebis de la dernière heure. We are the sheep of the last hour. Nous sommes celles qui ont le plus reçu. We are the ones who have received the most. Le Saint-Esprit a été répandu. The Holy Spirit has been. Si nous avons soif du Saint-Esprit. If we are thirsty of the Holy Spirit. Et de sa parole. And his word. Il va nous remplir. He will fill us. Venez à moi. Vous tous ceux qui avez soif, venez aux eaux et buvez gratuitement, sans rien payer, comme le dit Isaïe. As it tells us here in Isaiah. As-tu soif de cette vie abondante de Jésus? Are you thirsty of this life abundantly of Christ? N'as-tu pas envie de te lever comme un être dans le ciel éternel? Do you not want to stand up like an eagle in the sky. Amen, amen. Amen. Avec ton Seigneur qui a gagné la guerre pour toi. With your Lord who has won the war for you. Il va te porter sur ses ailes. He will carry you on his wings. Éloigne de puissance des ténèbres. And move away from the powers of the darkness. Qui sont encore dans ta vie. You are still in your life. Ainsi que ce méchant qui veut t'empêcher de vivre l'héritage de Christ. So that this bad who wants to stop you from the heritage of Christ. Alléluia. Verset 9. Verse 9. Si quelqu'un entre à moi, par moi, if someone enters by me, il sera sauvé. He shall be saved. C'est la première des choses. That's the first thing. Tu ne peux pas prendre l'héritage du Seigneur. You cannot take the heritage of the Lord. Si tu n'es pas sauvé. If you're not saved. Amen, amen. Amen. Quand tu seras sauvé, when you shall be saved, né de nouveau,
shepherd shall lead you. C'est-à-dire, dans l'abondance du Saint-Esprit en toi, which means in the abundance of the Holy Spirit in you, l'onction du Saint-Esprit te révélera toutes choses. The power of the Holy Spirit shall reveal to you all things. Amen, amen. Amen. Celui qui a le Saint-Esprit, the one that has the Holy Spirit, étant possédé de posséder, by being the consoler, il va nous révéler toutes choses. He shall reveal to us everything. Des bonnes choses, all good things, que Christ aime, that Christ loves, qu'il fasse dans sa vie. That he wants to do in your life. Il entrera et sortira. He shall enter and leave. Avez-vous déjà forcé une brebis à manger de l'herbe? Have you ever forced a sheep to eat grass? Quand ils ne veulent pas manger. When they don't want to eat. Ce n'est pas possible. It's not possible. La brebis va dans le pâturage. The sheep goes in the grass. Quand elle a faim. When they're hungry. Quand elle a faim. When they're hungry. Elle mange pas qu'elle veut. They eat as much as they want. Ensuite. And then. Elle va longtemps digérer. And then it will take long to eat. Et elle revient manger. And then we go back to eat. Elle entre et elle sort. She enters and she leaves. La porte est ouverte. The door is open. Le berger, là, il lui dit. And the shepherd, and the shepherd says. Serve-toi. Serve yourself. À manger. Eat. Si il trouvera de pâturage. If you find food. Les pâturages sont devant toi. Food is in front of you. La seule chose que Jésus te demande. Comme je connais le Père, and
as I know my Father. Et je donne ma vie pour mes brebis. And I give my life for my sheep. Amen, amen. Amen. Jésus a donné sa vie pour nous ses brebis. Jesus gave his life for us, his sheep. Amen, amen. Amen. Quel amour. What sort of love? Là nous avons intérêt d'aimer ce Christ. We have to love this Christ. Du fond de notre cœur. And the bottom of our heart. Et ne pas l'oublier. And to never forget. Jusqu'à la fin de notre vie. To the end of our lives. Amen, amen. Amen. C'est la vie de Jésus. It's the life of Christ. Cette vie abondante. That's a life abundantly. Cette vie sainte. Life, la vie de sainteté, it's a life of sanctity, de guérison parfaite, it's a life of healing, de délivrance, it's a life of deliverance, de guérison parfaite de l'esprit, it's a life of perfect healing from the spirit, de l'âme et du corps, it's from the soul and the body, c'est la vie même de Dieu, it's the life of God, tu l'as dans ton cœur, that you have in your heart, Jésus est là dans ton cœur, Jesus is there in your heart, Jésus veut qu'elle coule, Jésus veut qu'elle coule dans ton être. Jesus wanted to fall in your being. Que tu débarrasses de ton moi. To get rid of you. Vieux et corrompu. Of your old self and your corrupted self. Pour te remplir de sa vie. To fill you of his life. Et de sa vie et de sa nature à lui. And for his nature in you. Amen, amen. Amen. Jésus a dit pour le mot de tête la mission gai gai. Jesus wants to remove the bad things from us. Moi. Me. Jésus ne veut pas que tu puisses dire moi. Jesus doesn't want you to always say me. Jésus veut que tu puisses remplacer moi par lui. Jesus wants you to feel me by him. Au lieu de dire moi. Instead of you saying me. Dis Jésus. Say Jesus. Jésus est à moi. Jesus is in me. Il est mon Seigneur. He is my Lord. Il est mon Sauveur. He is my Savior. Que dis moi. Instead of saying me. Au lieu de dire you know me. Dans la bonne là. When I pray. The spirit or the bad spirit. When I pray, people are healed. When you pray, your prayer that is healing. Is that yes, that heals. Remove the meaning. La troisième partie pour terminer ce chapitre la semaine prochaine si Dieu nous donne vie. We shall follow the third part to finish this chapter next week, God willing. Et nous mettons debout pour prier notre Dieu. Let us stand and pray the Lord. Makasi, nangambo banguna na yo ezo bongo na bakake.